Chuck Wan, graffiti artiste. Je suis né à Pointe-à-Pitre. Et ensuite, j'ai quitté Pointe-à-Pitre après mon adolescence pour découvrir autre chose en France et dans le monde. Et le fait d'y revenir aujourd'hui pour l'inauguration du Memorial Act, un lieu magnifique, chargé d'histoire et d'œuvres, passé, présent, futur, qui, je l'espère, permettra au peuple guadeloupéen de rentrer dans une forme de recueillement, d'apaisement et de s'enrichir de son histoire et d'en être fier et digne. Je suis un acteur subversif, engagé, militant de la première heure à Pointe-à-Pitre depuis l'âge de 9 ans et je suis resté comme ça parce que je trouve que aujourd'hui, de la diaspora doit venir une certaine forme de réflexion qui puisse permettre aussi au peuple guadeloupéen de grandir. Le Memorial Act pour moi est quelque chose de très important. Le fait d'y retourner, d'être consacré chez soi, c'est une force, c'est une reconnaissance et puis c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Après, je dirais que ce mémorial pour la Guadeloupe est très important et arrive au bon moment. Car je crois qu'il y a aujourd'hui une génération de Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui vivent ici, qui ont vécu à l'étranger, qui sont à l'étranger, et que c'est peut-être à eux maintenant le moment de construire l'histoire de la nouvelle Guadeloupe.